pense que c'est parti. Ouais. On va commencer par la présentation des jurys. Je veux bien à peine plus de... C'est pour nous. En fait, faut dire le truc, hein, c'est que ça fait deux jours qu'ils se disent « Tiens, est-ce qu'on leur met une musique de merde pour le moment où ils arrivent sur scène ?» Ils ont osé. À votre avis, c'est réussi ? Alors, je te laisse faire le roulé-boulé dans la pente. On va pas faire comme un présentateur que je ne nommerai pas. Hein. Ah. Ah, alors juste petit détail. Bon, je pense qu'on va être, on est safe là-dessus, mais je préfère le rappeler et prévenir. On a des enfants dans la salle aussi, hein, et d'autres personnes. Donc je vous demanderai pas de la roue, de à poil ou autre. Sinon, ça sera rallumage des lumières et la personne sera sortie. Parce que ben faut respecter les gens malgré tout. Donc voilà, c'était le petit je vous préviens, on vous a à l'œil. Sur ce, je pense que... Présentation des jurys. On va présenter les jurys. Est-ce que le jury est caché près de... Attends, quel côté? Je vais regarder. Ah, j'en vois. Vous êtes tous ready? Et en réalité, ce qui est bien, c'est que nous, ça va, on a eu le temps du coup de s'habituer à la scène. Mais derrière, ils sont tous en mode... Oh putain, ouais. Je vais bientôt passer sur scène. Bah. Oh, je suis trop stressé. Ça rigole mais nerveux. On va essayer de motiver un peu tout le monde. Mais voilà, tu le fermes pas. T'es tout beau comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Plus fort s'il vous plaît. Est-ce que Ludinam est présent aujourd'hui? Moi je pense qu'ils sont bons, ils sont prêts. Ça a l'air pas mal. Est-ce que derrière vous êtes prêts? Ah. Je vous entends pas par rapport à devant. C'était une fille. Du coup, on commence par Maëlle. Maëlle ? Maëlle. Bon, alors, on va vous présenter la première jury, celle qu'on a perdue hier. Je vous demande d'accueillir bien fort Cara Maëlle. On l'applaudit bien fort. Ouvrez les volets dans le salon, laissez entrer cet air, il sent si bon. Et mettez les petits plats dans l'écran. J'étais seule dans ces longs couloirs, il n'y avait pas de bal le soir. Enfin nous entrons dans l'air du temps. Je te laisse dire un petit mot pour la présentation. Maëlle, c'est une couturière de métier, hein, qui a rejoint l'association cosplay.co courant de l'année et qui nous aide, on va dire, à peu près toutes les semaines à réaliser nos costumes. Donc, merci. Alors, je demanderai que ça... La suivante. Ah, la suivante, c'est une petite chouchoute. Je te laisse la présenter ce coup-ci. Je suis désolé, hein, tu vas me détester. Mais en fait, c'est une cosplayeuse, je pense qu'on peut dire, c'est une cosplayeuse montante de Besançon. Elle est de chez nous, hein, donc je pense qu'on peut être fiers. Et nous, on l'a connue. Elle avait 14 ans. Elle a commencé à 14 ans. Et quand on voit ce qu'elle fait maintenant, franchement, moi je dis... Applaudissements. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour H. Allez. Here we go, all the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. C'est ma fille, attention, hein. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Franchement, et on est fiers d'avoir ça à Besançon, hein. Vous n'êtes pas fiers? C'est ma fille. Oh, j'éconne, hein, ce... Alors la prochaine, je vais vous demander la plus grande attention et de ne pas applaudir tout de suite. C'est parti. Venez de mon voyage à Rome et qui s'appelle la pâte d'un monde. Oh, pas énorme, 4 ou 5 livres. Mais j'ai pas tout gardé pour moi, j'en ai offert, figurez-vous. Bon, bah j'en ai pas offert parce que ça change. Tous les jours, je me disais, aujourd'hui, t'en prends pas. Aujourd'hui, t'en prends pas.
c'est qu'il n'y a pas une pâte d'amande. Jamais le ciel contrôlerait. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant que mon corps s'est habitué? Avant, ma vie, c'était de la merde, vous entendez, hein? Recevoir le chef de style, le roi de mie, toujours poli, toujours bien mise, le symbole de la nation bretonne. Hein? Il en faut bien les compensations pour encaisser toutes ces conneries, hein? Toujours s'occuper de quelque chose, et surtout de vous, pour que vous avez des responsabilités. Et qui s'occupe de moi pour l'instant? Eh ben oui, maintenant qu'il n'y a plus de pâte d'amande, je tourne en rond, je suis sur les nerfs. Il n'y a pas d'amis, pas de loisirs. Alors je me suis plongée dans la pâte d'amande. Quand je vous regarde et que je vois comment vous me traitez, hein, je me dis que j'aurais meilleur condamné d'ici jusqu'à dans ma vie pour en chercher, parce que c'est finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Attendez, reviens là, te sauve pas, te sauve pas. Bah attends, t'es quand même la star invitée. La star décoiffée. Donc tu vas te présenter quand même. Bonjour, je m'appelle Liglou Chris Cosplay. Et quel âge? Non, je déconne. Yay. Vas-y, alors quel est ton parcours actuellement? Alors, en ce moment, je suis représentante pour le Recosplay là, à Londres en octobre. Voilà. Ouais, c'est pas rien. T'as la pression? Oui. Oui, oui. Ben, voilà. Ben, moi, je dis, attendez un applaudissement. Allez, hein. Je crois que nous avons nos trois jurys qui s'installent. N'aie pas peur, tu as le droit de te mettre là, avec ta main, la blessée. On va commencer par... Eh bien, je pense que... On va peut-être commencer, hein. Ça serait bien, je crois que vous attendez tous que ça, hein. Parce que nous voir, c'est plus ou moins sympa, mais ça vaut pas les cosplayers. Alors, le stressé derrière. Ouais, le premier... Ah, je vais m'en charger. Ah, vas-y. C'est ton domaine. Le premier, ça vient d'un jeu vidéo qui se passe dans l'espace. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Ah, j'ai entendu Mass Effect. C'est une bonne réponse, non? Je pense que l'arme a parlé d'elle-même. Hein. Bon, je vous présente le cosplayer. Hein. Voilà. C'est l'accessoiriste. Donc l'accessoiriste, on l'applaudit. Il ne faudra pas la lâcher. À chaque fois qu'elle revient, accessoiriste, il faudra lui mettre... La pression. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Pour l'arsenal du geek et le commandant Shepard. Bienvenue à tous pour votre première formation pour devenir un membre du headset. Commençons par le commencement. Voici le M8. Léger, extrêmement maniable, adapté au gaucher comme au droitier, démontable en 4 pièces, indétectable rayon X, idéal pour les interventions rapides et discrètes. Un mot sur sa puissance de feu. Batterie au titane, magasin rotatif permettant de tirer 3000 coups d'une puissance de 3 à 300, et grâce au bouton replay, autre invention de Zorg, c'est encore plus facile. Un coup, un seul. Une pression sur replay et tous les coups suivants atteindront la même cible. Et pour achever le travail, les grands classiques de la maison, lance-roquette, le bon vieux lance-flamme toujours efficace, mon préféré, 4 conteneurs complets, livrés en temps et en heure. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. Jack et Miranda sont comme qui dirait en train de se crêper le chignon. Vous pourriez aller voir ça avant qu'elle bousille une cloison? Je m'en occupe. Prenez des photos. Je dois y aller. On l'applaudit bien fort. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour une première? On attaque fort, non? C'est tout? Ah, vous êtes venu, c'est bien. Voilà, nickel. Plus de prix le prochain coup, plus fort. Est-ce qu'on attaque directement avec le deuxième? Oui. Il me semble que c'est Danganronpa. Allez, je te l'offre.
Cadeau. Je pense qu'il y a des friands de manga dans la salle. Si je vous dis adaptation d'un jeu vidéo. Oh, comme ça triche, ça connaît déjà. Il y en a qui savent déjà la liste, là. Il y en a plein. Il n'y a pas que ça. Il y a Psycho Pass, il y a... Chant du débutant. Tous les trucs avec des boys et une seule fille au milieu, les Otomés. Et on voit des fangirls, là. Et au moment où j'ai commencé à dire, avec plein de gars, elle a fait... T'es grillé. Du coup, bien, c'est bien Danganronpa. Et ce sera Silos en Monokuma. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Hey, plus de bruit. Allez. Ah, voilà. Ils sont plus forts à gauche. Hein. À droite, faites du bruit. C'est parti. Test micro. C'est bon? Vous m'entendez tous? Bonjour à tous les nouveaux. Je ne suis pas une peluche. Je suis Monokuma, l'organisateur de cet événement. Inclinez-vous. Bonjour à tous. Vous êtes des personnes de tous âges, prometteurs, qui portent les espoirs du monde sur leurs épaules. Et c'est pour vous protéger, vous, les superbes symboles d'espoir, que j'ai décidé que vous alliez tous vivre dans ce théâtre. Pour faire simple, vous allez passer le reste de vos vies ici. Vous pouvez donc crier autant que vous voulez, personne ne viendra vous aider. Oupoupoupoupou. Et enfin, quiconque voudra sortir du théâtre devra suivre une certaine règle. Vous pouvez faire comme vous le voulez, mais seules les personnes ayant tué quelqu'un seront autorisées à partir. C'est une règle simple, non? Vous pouvez assommer, poignarder, battre à mort, empaler, carboniser, écrabouiller, étrangler ou même vous tirer dessus. Oupoupoupoupou. C'est une situation de détresse où l'espoir vous pousse à vous entretuer. Des bêtises? Comment ça, des bêtises? Vous ne voulez pas jouer? Alors c'est l'heure de la punition! Vous pouvez l'applaudir. Hop, 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 tu restes des photos. Ah. Avance sur la scène. Allez. Non, mais... Du coup, je te annoncer la prochaine. C'est quoi? Ah, c'est pour ça que t'es stressé. T'es la prochaine. J'ai des comptes à régler du week-end, en fait. Bah tiens, vu que c'est moi qui parle, c'est toi qui attaques au Sensei. Ouais, ça tient chaud. Ça y est, t'as conquis le cœur du public. Là, et le prix accessoiriste est desservi à l'accessoiriste. Alors là, on change totalement d'univers. On part chez Disney. Il y en a qui font « Ouais !» Mais c'est pas une princesse. C'est pas... Il est pas tout seul. Ils sont un peu plusieurs là-dedans. Ils voient... Hein? Voilà. Donc on part chez, dans le pays de Alice, au pays des merveilles, ou pas. Et ça va être le Chapelier fou du film. Donc un tonnerre d'applaudissements pour le Chapelier fou de Alice au pays des merveilles en film. Test micro. C'est bon? Vous m'entendez tous?
Les photos. Les photos. Là-bas. Non mais eux. À chaque fois, ils ont tous cru qu'ils pouvaient se sauver en mode « C'est bon, j'ai fini, je me cache. » Mais non, on pensait qu'il était en retard. Il y a toujours les photos après, tout le temps. Allez, c'est bon, sauve-toi. Oh, pas d'accès. Si ? Ah, je l'attendais. Alors le prochain. Vous avez tous compris. Est-ce que vous avez compris ? Ouais. Non, mais en fait, normalement, il aurait peut-être dû me faire. Non. Il a pas assez de culture. Il aurait dû me faire. Je le fais bien. Non, non, ça c'est. Spider-Man, il y a les doigts comme ça. Il y a des tailles en plus. Alors que l'autre, c'est juste. À la limite, ils sont comme ça. C'est wesh. C'est assassin. On a tous un doigt en moins pour rien. C'est pratique, hein. Compte jusqu'à 4. 5. Donc, on est chez les assassins. Mais alors, dans quelle époque ? Parce que... À chaque fois, il y en a beaucoup. Il y a l'Égypte, il y a Londres, il y a la Mésopotamie. Préhistoire. Il y a Paris. C'est Paris, Unity, non ? Oui, voilà. Il y a les Caraïbes. Mais là, on est plus moderne. Et puis, Londres. Jacob Frey, Londres. Eh bien, rapé, c'est pas Jacob. C'est Evie. Mais c'est pas Jacob. Elle a un truc en moins. Et d'autres trucs en plus. J'ai rien dit de spécial. Hein. C'est votre imagination qui travaille après. Hein. Ils sont vicieux, quoi. Surtout lui. C'est sa sœur jumelle. Donc oui, c'est la sœur de... 1, 2, 3. C'est la sœur jumelle de Jacob. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Ah, je bug, mais c'est incroyable. Quoi. Applaudissements. Présentateur, zéro. Quoi. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Evie Fry de Assassin's Creed. Assassin's Creed. Syndicate. Ouais, j'ai bugué. Allez-y. Tu peux la laisser, hein. Pas de photo ? Est-ce qu'on la rappelle pour la photo, quand même ? Allez, t'y retournes. Bon, on en profite pour l'applaudir, quand même. Accessoiriste, s'il te plaît. Un petit coup de ménage, là. Non, t'inquiète pas, il y a des accessoiristes. Soiriste, ah, accès soiriste, c'est bien. Il en a besoin, lui. La suivante, je pense que tout le monde la connaît, c'est une acolyte de Link. Raté, je t'ai induit en erreur. Là, il y a une Midona. Ouais. Qui d'autre, Midona? Personne ? Minoda, t'as dit ? Mindona. Ah, toi aussi, tu veux. Ça, chacun son tour. Il n'y a plus rien là-dedans. Hein. C'est... Si tu veux, continue. Non, vas-y, je te le laisse.
Du coup, oui, voilà, c'est Midona de Twilight Princess. Donc, qui a déjà fait ce jeu déjà ? Ah, y en a quand même. Hein. Est-ce qu'on est d'accord que l'ambiance elle est juste excellente quoi ? Ah, moi je suis pas d'accord, mais bon, je suis plus N64 pour les meilleurs. Les deux. Mais c'est pas le sujet. Un tonnerre d'applaudissements pour Midona de Twilight Zelda, Princess. Twilight Princess. Et on l'applaudit encore, hein ? Alors, est-ce que ça vous plaît pour l'instant ? C'est tout ? Est-ce que ça vous plaît pour l'instant ? C'est mieux. Ah, c'est mieux. Alors, il va falloir nous aider pour le prochain. Moi, je connais que le jeu. Mais après, le personnage, vous aurez tous le droit de me châter, en particulier. Donc déjà, ça vient d'Undertale. Ah, j'aime bien le. Alors, ça me rassure parce qu'il y a eu des. Ah! Ah! Alors. Ah! Qui connaît Undertale ici? Ah! Tu vois, il y a plus de monde que nous. Ah bah, attends, ils sont déjà plus que deux. Oui, ouais, c'est sûr. C'est déjà bien. J'ai compté jusqu'à 3. Non. C'est bien. Oh. La petite blague. Alors, vous connaissez quel personnage dans Undertale ? Ça va beaucoup nous aider. Si je vous dis qu'il s'est sauvé de l'outre-monde. Bingo. Easy. Qu'on lui donne un pins. Non, bah, qui c'est qui s'est sauvé ? Non, mais franchement, Frisk, quoi. C'est obvious. Non, mais sérieusement. Bah, moi, je connais pas. Alors, qui est Frisk ? Sérieux ? Je découvre que Frisk, c'est le nom du héros. C'est bien. Tu vois, ça sert d'avoir du public qui est cultivé. Donc, bah, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Frisk de Undertale. C'est une merveilleuse journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Des jours comme ça, des gens comme toi. Je les extermine. Avance-toi, femme, carré de temps. Pour toi de me montrer ta rage, ton mandat et cela te défend. Contre mes doigts coulent l'encens. Masse de génocide, jamais la s'étend. Ne retiens pas que tu déferles dans ta puissance. Mais tu sais qu'aujourd'hui, je fais des films des mondes. Et toutes tes attaques, il faut tomber sans pitié. Mes sauvegardes seront là pour me relever. Crois-moi, tes esprits ne pourront te sauver. Pourras-tu tenir de toute l'éternité? Tu veux me faire souffrir, mais les dés sont truqués. Car je n'ai plus jamais ta destinée. Mon calvaire, for you. We'll be right back.
certes, tu prendras ma vie. Cogne-moi contre les murs, tant tu en es capable. Le poids de mes péchés est devenu insoutenable. Un seul coup perdu, j'aurai une mort bien réelle. Mais les conséquences en sont éternelles. Les femmes je vous chante donc les oiseaux. Quel homme merveilleux pour braver l'enfer. Tu m'as conseillé, je t'ai ignoré. Je veux les sauver, laisse-moi faire. Mon cœur est fait d'amour. Photo, photo. Non. Et on l'applaudit bien fort parce que il me semble que c'est sa première scène. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça ? Alors on l'applaudit encore vraiment bien fort. Ça fait plaisir. Hein. Il y a déjà plus de la moitié qui est passée. Hein. Ah, c'est ça que je voulais entendre. Allez, refaites-les tous en cœur. Allez, je sais. Nous aussi, on est tristes. Combien il en reste ? Ben, on va pas leur dire. On a du mal, en fait, à compter comme 3, c'est pas assez. Il en reste. Je vous l'ai pas dit, mais j'en suis bien. Sous mes airs de rien. Alors le prochain, faut pas que je me gourre, faut sauter. Oui, on est bien là. Ah. Est-ce que c'est problème résolu ? C'est good ? C'est oui, toi, c'est toi que je regarde. Ça va mieux ? Ah, ok. Je vais y gagner un peu de temps. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai. Là, c'est une auréole. Oui, mais non. Ah, oh, ça va. Hein. Il nous reste quoi, du coup ? Eh ben, le prochain, c'est eux là, ceux qui se cachent là. Oh, arrête de bouger, je vois rien. Eh, t'es aveugle. Je vois patate. Ouais, patate. Vous dites quoi, patate ? Moi, j'aime les patates. Quelqu'un qui aime les patates. Quand je vous ai dit que c'est ça qu'il fallait marquer, c'est Miss Patate. Donc, il y a Miss Patate. Ensuite, qui c'est qu'il peut y avoir avec Miss Patate ? Ah, j'en ai une. Armin. Mikasa. Eh ben non, perdu. Eh ben non, il y en a 3. Ils sont que 3. L'autre, il vient de se faire manger par un titan. Ah bah, à toi de trouver. Hein. En même temps, il aime bien se faire manger. Donc, il y a bien une presta. Donc, ben... Vous l'aurez compris. Vous l'avez tous compris, hein, on parle de l'attaque des titans. Je peux pas le faire avec le micro, parce que sinon je vais me... Et c'est pas préféré. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les apprentis noobs qui font Miss Patate, Armin et... Sacha, Mikasa, pardon. C'est toi qui m'as inspiré. Donc Miss Patate, Armin et Mikasa de Shingeki no Kyojin. On les applaudit bien fort. Elle boude parce que vous l'avez pas appelé. Genetically gay, officially gay, 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 gay. Damn it! There's
girls, and there's the popular girls, and I look like a potato. A kawaii potato. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Elle le mérite, continuez. Elles ont mis le feu, hein. Vas-y, demande-moi si elles ont trop chaud. Attends, on va faire des pauses. Burlesque jusqu'au bout. Ça va, pas trop chaud? C'est le fail. C'était ça, le... Tout le monde dit péoriole. Non, des cheveux. Ok. On n'est pas contre, on n'est pas contre. Vas-y. Par contre, truc inhabituel, on a perdu des cosplayers. Ouais, on en a deux qui nous ont fait faux bon. Bouh. Ils seraient pas dans la salle. Bouh. Non, personne. Bouh, les deux cosplayers qui se sont sauvés. Et... Bouh. On donne pas de nom, non. Non, personne. Alice. Non, on balance pas, c'est pas bien. Faut pas. C'est quoi? Quoi? J'ai dit qu'il fallait pas. Non, on balance rien. Bah du coup, on va être au dernier déjà. Ouais. La dernière. La dernière. Est-ce que vous êtes triste? Ouais. Ils reviendront tous après, de toute façon. Bah après, on vous les ramène tous sur scène. Avec l'accessoiriste. Bon alors, moi je dis, pour clôturer le tout, il faudra faire un max de bruit, quoi. Je crois qu'on peut même taper des pieds, là. Ouais, je crois que là, vous pourrez... Pour la faire venir, il faudra tout ce que vous pouvez. Alors la dernière, c'est une femme de caractère. Il y en a qui ont vu le programme. Que quelqu'un m'égorge cet homme tout de suite. Il a triché. Il a triché. Il est venu au stand, c'est tout. Donc oui, c'est Wonder Man. Mais attends, Wonder Woman. Enfin, Wonder Man. Wonder Man. Et jusqu'au bout, hein, vous pourrez vous souvenir, il y aura Kevin et Boulet. Voilà, ça sera quand vous me croiserez, ah, le boulet. Voilà. Il en faut toujours, hein, de toute façon, et ça tombe malheureusement sur moi à chaque fois. Le prochain événement sera peut-être l'inverse. J'espère. Je pour m'en libérer. En tout cas, pour l'instant, vous êtes content de l'Udinam? Ouais. Est-ce que vous êtes content de l'Udinam? Est-ce que vous êtes content du concours cosplay? Est-ce que vous en voulez encore? C'est la dernière. Il y en a plus beaucoup. Donc je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements et de... Voilà. Pour Aurélie... Alors si je me trompe, tu auras le droit de me poignarder, de faire ce que tu veux. Aurélie Hippolyta en Wonder Woman.
Allez, plus fort! On l'applaudit bien fort. Je comprends mieux pourquoi tu voulais que je me mette à droite. Hein. Tu voulais me tuer, en fait. Et juste avant, le fait, tu te mettras à gauche, là-bas. Oui, oui, oui. J'ai bien fait de pas y aller. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on les fasse tous remonter sur scène? Oui. Allez les cosplayers, venez tous sur scène. Et l'accessoiriste. Avec l'accessoiriste. Et il l'appelle. Allez, on y va tous. Allez. Où je viens vous chercher. Tout s'est écroulé. Allez, allez. Musique. Momo Lord. Je suis sûr que j'arrive à les faire danser. Vous la connaissez? Allez, on l'encourage, on applaudit. Avancez devant. Avancez. Elle est cachée. Ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de nous revoir s'il y a troisième édition? Il y en a qui sont là. Oui, 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 on veut venir. Je reviens. Oui? Allez, c'est parti. Tout le monde se lève. Vous connaissez le Tekken Challenge? Pas le choix. S'il y a la musique, faut danser. Allez, tout le monde debout. La danse, c'est ça. Allez, on se lève, tout le monde. C'est cardio. Sur scène pour ceux qui veulent monter. Ah, c'est génial. Ça fait plaisir dans la République comme ça. Allez, on s'applaudit tous bien fort. Oh, il est caché. Le titan s'y met. On tient à tous vous remercier pour votre présence, vos applaudissements. Encore merci d'être venus. Je pense que vous méritez tous autant d'applaudissements
que nos participants pour être venus et les avoir soutenus. Donc je redemanderai encore de la part de tout le monde une standing ovation. Juste un petit mot encore de la présidente de Cosplay.co. J'aimerais remercier Ludinam de nous avoir proposé de faire ça. Vous sauvez pas, il y a encore des trucs à annoncer. Restez encore. Cosplay Franche-Comté, avec qui on a passé de très bons moments et avec qui on a partagé l'organisation de ce concours. Que du plaisir. Et venez nous voir à l'espace cosplay. On fait du karuta, des blind tests. C'est mouvementé, mais c'est très drôle. Ouais, des blind tests. Et je vous laisse annoncer les résultats du concours. Alors, pour les résultats du concours, ça sera à 17h. Grand Cursal. Au Grand Cursal. Où ça ? Sur la scène du Grand Cursal. Sur la scène du Grand Cursal. Donc, paf, on monte au-dessus, quoi. Et vous également... allez tous remonter. Hein. Oui. Ensuite, je tiens à remercier au passage Ludinam de nous avoir permis d'être là. Donc, pour Ludinam, je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements pour toute l'organisation et tout le travail fourni tout au long de cette année pour permettre d'avoir un festival comme celui-ci. Et ensuite, parce que ce n'est pas fini, 17h30, on vous donne rendez-vous dans la cour du Musée du Temps pour le combat de la cartonnade. Alors la cartonnade, si vous avez pu le voir, c'était au premier étage. C'est les personnes là qui avaient des pistolets à colle et qui vivaient pendant 2 jours dans les cartons. Je suis sûr que vous les avez tous vus. Des chats, avec des trucs excellents, des blenders. Appelez les fruits. Voilà. Et ils vont tous se retrouver à 17h30 dans la cour du Musée du Temps pour se faire un gros pugilat. Donc ça va être baston. Ils vont se massacrer leur armure. Donc je vous invite vraiment à venir, à les encercler et à faire un bruit du tonnerre pour les galvaniser, quoi. Je vous prends encore peut-être 1 minute. Toutes les personnes qui sont en cosplay, qui ont quelques accessoires et tout ça, ce serait bien de monter sur scène pour avoir une photo générale de tout le monde. Ouais. Et n'hésitez pas, c'est l'occasion de voir quel effet ça fait d'être devant. Et puis qui sait, peut-être un jour, vous ferez une prestation ou autre, quoi. Donc n'hésitez pas, montez. C'est chaud ici par contre, hein, ouais, vous allez crever, hein, mais montez quand même. Pardon. C'est l'occasion. On vous force pas, hein, mais oui, le jury également. Hein. Vous êtes costumé, non ? Cosplay et tout ça ? Venez ! Allez, hein, même les jurés, hein, vous avez le droit. Le cosplay, c'est la vie. Si toi aussi tu aimes mettre les mains dans le cambouis, tu aimes coudre, tu aimes crafter, tu aimes passer trop de temps à t'arracher les cheveux et à recommencer, fais du cosplay, c'est la vie. Est-ce que vous voulez faire un petit tour pour vous présenter vos cosplays ou autre ? Ça vous dit ? Allez, on commence. Bonjour, je m'appelle Thomas et donc je. Okay. Du coup, je suis cosplayé en Assassin's Creed. Bon, merci. Je te sens un peu. Non, ça va. C'est pas un personnage particulier, c'est inspiré de ce que je préfère. Voilà. Et j'ai déjà fait du coup un concours de cosplay, mais dans une convention à Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, on l'applaudit. Je suis tombé amoureux. Coucou les louloutes. Oh, ça fait peur d'être sur la scène. Il y a trop de gens qu'on connaît pas. Tu veux venir ? Allez, viens. Tu viens ? Tu veux dire bonjour ? Bonjour. Ah, regardez, ça, c'est la relève du cosplay. Elle est toute choupiette. Et c'est la grande sœur ? Tu veux aussi passer un petit mot ? Bonjour. Je crois que ça vaut tout l'or du monde, hein. Suivante, est-ce que tu veux la sucette ou pas ? Bon, elle veut pas. Est-ce que tu veux que je parle de ton cosplay ? Non ? Oui ? Non ? Y a pas de bof-bof. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de bof-bof. Il y a des cosplays qui commencent et ça commence comme ça. Allez, n'hésite pas à te montrer un petit peu. Ne sois pas timide. Un jour, tu auras peut-être envie de venir ici de toi-même. Le suivant. Là, désolé. Le micro ? Je vais pas. On l'applaudit. Est-ce que tu veux parler de ton costume aussi ? C'est pas un personnage.
personnage particulier, c'est un personnage que j'ai créé, un personnage d'aventurier post-apocalyptique. Donc, on est voilà. Un peu dans du steampunk. C'est ça. Ah. Du truc pour rap, donc c'est, ah. C'est post-apo. C'est pour ça. On l'applaudit. Et après, on a la télé. Alors, du coup, maintenant que t'es ici, ça fait quoi? Est-ce qu'on m'entend avec le micro, là? Est-ce qu'on m'entend maintenant? après, j'avais déjà fait une scène, mais bon, c'était à l'Asian Event, et je suis pas sûre que ce soit ouf, l'Asian Event. Du coup, ça n'a jamais existé. Mais du coup, bah, ça va avec la télé, en fait, il y a de la lumière sur mon écran, donc je vois pas les gens. Donc, je suis pas timide. Non. Regarde. Non, il n'y a personne. C'était une illusion d'optique. Bon, là, je tiens à vous féliciter. Faut les... Il y en a encore des cachés. Juste là. Ah, ils étaient essayé de se fondre dans la masse. Ah, mais... Moi, je sais c'est quoi. Alors, c'est quoi Witcher. Ah, bah non. Bah non. J'ai pris un mauvais coup d'épée. Il y a une épée qui a volé de la scène. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ton premier ? Non, c'est mon deuxième cosplay. Est-ce que tu kiffes faire du cosplay ? Ouais, j'aime bien. Franchement, ouais. On est d'accord qu'il y aurait pu y avoir des participants en plus. C'est pas mon cosplay. Moi, je vous propose, vu qu'on va pas pouvoir les juger, ils ont pas participé, de leur faire un coup d'applaudissement. Que vous en pensez ? Bon courage ! L'écœur en moi. Bon ben, qui, ah ben, qui, quoi, quoi. Ah ben oui. Pff, oh, je suis zéro. Hein. Et pour les petites louloutes. Grande vainqueur. Ça fait peur. Pour l'assassin. Pour la loli qui se cache. Pour Neko-san qui se cache. La post-apo. J'ai dit le... oh, j'ai... Oui. Désolé. La télé. Cathodique. Ce que vous connaissez plus. L'accessoiriste, le jury, les cosplayers, Kevin le commentateur caché, les présentateurs, les, il est caché, pour Kevin, pour Kevin. Et voilà, maintenant, je vais vous libérer. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir dansé. Ah, il y a une question. Attends, elle est sur mute. Elle a dit, ah non, pas du tout. Alors, de quoi est-ce que ça vient ? Alors, en fait... De Chine. Il se trouve qu'à chaque fois, quelqu'un... à chaque fois, quelqu'un me donne une référence différente. Du coup, je découvre plein de trucs. Donc, au pire... Ouais, alors non. Il est un petit peu cassé. À chaque fois, on me donne une référence différente. À la base, je m'étais inspirée de Gumi dans la chanson Echo. Le problème, c'est que j'avais un petit peu la flemme de faire six bras.
Donc, c'est en projet, mais pour l'instant, je me suis dit, je vais faire des jolies couleurs dessus, et puis voilà. Mais du coup, tu pourras me donner la référence, parce que je suis curieuse. Saga. J'allais sortir une vanne, mais non. Eh bien, vous pouvez faire vaquer à vos occupations. Et je vous dis à 17h pour les résultats au Grand Cursal. Et 17h30 pour la cartonnade. Merci à tous d'être venus.